Et yo mes petits zizous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce magnifique plan de Red Dead Redemption 2 pour un nouvel épisode. Oh bah, qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Ça va pas? Oh non, manque d'énergie. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bah la suite d'hier, hein, on va aller faire la mission de Hoshi là. Hoshi, je vais manger un bout d'abord. Allez, manger une petite boîte de biscuits. On va faire la mission de Hoshi qui devrait me permettre après de revendre mes diligences que j'aurais volées. Non, moi ce qu'il me faut, c'est un truc qui me... Ah, c'est pas mal ça. Parce que ça me redonne... Voilà! Allez! Un petit cul sec. Bon, qui devrait me permettre de revendre les diligences que j'aurais volées, comme j'étais en train de dire. Donc c'est un moyen... Là, c'est toujours dans ma quête de la thune. Donc dans cet épisode, si on a le temps, on fait cette mission-là, après on revend une diligence. Et si on peut, on va braquer. Allez! No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Please. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown, what you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough, and you know I ain't dead. You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay, I'll tell you what. Arthur! Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. Quel ripouf. By marriage. Bon, oh, excusez-moi les gars. Bon, je pense que c'est bien ça. On va aller voler une diligence et donc du coup on va pouvoir après lui revendre. Ça entamera notre alliance avec ce pourri de paysan. Ce paysan pourri. Allez, oh pardon. Ouais, désolé mon pote. Range-moi ça, Arthur, avant de blesser quelqu'un. Allez, je prends les rênes parce que sinon toi tu vas pas aller assez vite. Cette rencontre avec l'ours. C'était lui qui nous avait montré les ours légendaires. Bon, juste avant de... Où est-ce que c'est? C'est loin, c'est proche. Bon, ça va. Ça va. On a fait pire. Et je pense que... J'ai réfléchi et je pense que pour le receleur qu'on va braquer, on va aller à Rhode. Rhode ou Rhodes, je sais pas comment ça se prononce. Parce que ça m'avait l'air d'une ville de... Bien de gens riches, là. Ils étaient tous habillés comme des richoux. Donc on va aller les piller les plus riches pour donner aux plus pauvres, hein. Robin de Far West. Je lis pas du tout ce qui se passe. Tapoter en rythme suivant la cadence du galop. Ah oui, ok. Moi, ah oui, mais je le savais en plus. Je suis juste de tapoter à chaque fois qu'il pose un truc au sol. Ah, c'est ici? Ah, j'avais deviné avant que tu me le dises, mon pote. Non. Deux secondes, frère. Ah, putain, je peux pas accélérer. Je prends mon double canon quand même. Il nous a prouvé qu'au corps à corps c'était quand même vachement fiable. J'arrive. Je sens que ça va chier les potes. J'ai ce qu'il faut, j'ai du sang-froid, j'ai tout. Ok, allez.
J'ai mes deux dans la main, là. Yes. Ok, let's take a quick look at the place. Alors. Ah, il y a un mec. Yes. Il y a un mec là, là. Ok. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show. Je passe devant, je fais diversion, on les barrage. Sinon, et toi tu te faufiles, tu fais ça. Oh. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Nuit, hein. Je pense en fouillant la maison, on peut se faire plus de thunes, je pense. Let's wait. Allez, petite cop. Pas bien de fumer les potes. Elle est sacrément longue leur clope pour qu'ils attendent okay, jusqu'à la nuit. Let's go. Sure. You go into the house. I'll go find this wagon. C'est cool ça. Je vais prendre qu'un gueule. Entrons là-dedans pour voir. $45 d'objets dans la maison. Ça va être mortel ça, surtout si c'est que pour moi. Oh, il y a ça aussi pour se faire de la thune, c'est vrai, hein, cambrioler des maisons. Ah, par contre. Ouais, je vais mettre mon bandana. Hop. Combien ? Mets-moi ton bandana, s'il te plaît, frère. Voilà, nickel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je m'en fous. Il y a personne dans cette maison? Te réveille pas parce que tu vas prendre une bastos sinon. Comme ça, ça fait des trucs à revendre en plus. Des trucs dans le tiroir ou pas? Montre en gousset en or, bah bien sûr que je prends. Les vieilles chaussettes qui puent, par contre je les laisse là. Mais il s'est endormi avec sa bière. Ouais, je vais pas partir maintenant. J'ai fouillé deux pièces et je me suis fait $46. Je vais continuer les potes. Hein. Dans la cheminée. Hein. Et la dernière fois, ils nous ont dit qu'ils mettaient souvent de la thune dans la cheminée. Dans une des missions précédentes. Regardez. Ah. Oh, vamos! Putain, 150 balles! Mortel! Te réveille pas, mon pote. Non, je veux fouiller le coffre. Genre je le salue. Hé, salut! Tu m'en veux pas de te voler en pleine nuit? Te réveille pas. Oui, j'arrive. Petite montre en gousset en platine, on va prendre quand même. Voilà, je savais qu'il fallait pas que je m'arrête. Je peux pas le fouiller ce coffre là. Allez, on se casse. Je pense pas que ça va si bien se terminer que ça, les gars. Bah, on va prendre de la bouffe, hein. Ça peut que je donnerai à mon cheval. Hop. Des fruits. C'est propre. Voilà, bon, maintenant on rejoint Oshii. Mais. Oh bah! Ok! Allez, suis-moi. Ah, c'est moi qui conduis! Ok. Ça marche. Allez, suis-moi, hein, parce que je veux pas revenir te chercher après. Bon, je pense pas que ça va si bien se terminer que ça, parce que sinon ce serait vraiment facile. Je pense qu'ils vont se réveiller, ils vont nous poursuivre. Vous pensez pas, les potes? Moi, je pense, hein. Ah oui, $216, $216. Ça va me donner envie de voler des maisons plus souvent, ça.
Ouais, je garde mon foulard, mon bandana, on sait jamais. Ouais, c'était pas loin. Hein. So what were you able to lift from the house? Found some money stashed away. Must be a few hundred, not too bad. Not bad at all. Ah merde, je croyais que c'était par là. Pardon. Bah tu m'étonnes que c'était plus facile que chasser un ours. Ah, en tout cas, ça, je sais qu'à chaque fois que je fouillerai une maison, ce sera cheminée direct, les potes. Ah là, clairement, 150 balles dans la cheminée. Alors... Bah, du coup, on aura essayé ça. Hein. Oh, pardon. Oh. Oh, imaginez, il était mort, j'aurais bugué la mission. Encore. Oh non. Alors, ouais, ou peut-être que si je trouve une diligence pas loin, je la ramènerai. Mais en tout cas, on va voir déjà combien ça coûte. Après, je pense que là, c'est une diligence de compète. Hein. Ouais, quickly. Je le fais. Voilà. Alors, combien pour cette magnifique diligence? Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Alors. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Non, mec. Nah, I'll catch up with you later. Okay. Stay out of trouble. Alors, combien de thunes? $300. Ah ouais, donc 150 à... Vous pouvez maintenant vendre des chariots volés à Simus. Ok. Donc, j'ai voulu, encore une fois, aller trop vite. Bon, bah, du coup, 75. Non content d'acheter des chariots volés, Simus est également receleur. Rendez-vous dans sa boutique. Ah, vous savez quoi? Je vais attendre et je vais lui vendre... Mars, pardon. Je vais attendre et je vais lui vendre tout ce que j'ai volé. Comment on fait? Feu de camp, objet, hop. Que sur les grands espaces. Ah, faut peut-être que j'aille genre par là. Genre là, c'est bon. Bah, qu'est-ce que t'appelles un grand espace? C'est pas un grand espace pour toi là? Ah voilà, ok. C'est juste histoire de me poser, les gars, pas de. Oh, quoique je vais peut-être me faire à bouffer si je peux, si j'ai de la viande et tout. Ça me fera ça, ça me fera ça de fait. Puis je cuisine jamais, donc. Fabriquer, cuisiner. Alors, gros gibier nature. Donc ça, c'est ce que j'ai. Oh, munitions, non. Ok, donc si je prends ça. Recette et schéma. Gros gibier à la menthe. Ok, non, là, c'est juste le faire cuire, en fait. Et ça aussi. Si je fais ça... Ok. Hop, je la range. Ah, je peux peut-être cuisiner. Je peux peut-être cuisiner plus rapidement si je fais ça. Si j'appuie plus vite, non? Ah non, ça fait... Ok. Ranger. Ah non, c'est peut-être parce que je me brûle en fait. Je sais pas, je vais regarder. Qu'est-ce que ça fait de rester appuyé? Parce que je sens ma manette qui vibre. Vous sentez pas, mais moi je sens. J'ai l'impression. Ah non. Ah si, j'ai l'impression que. Ah non, c'est en fait, c'est qu'est-ce que c'est ce que je peux prendre en bas à gauche là que je vois. Hop, on va ranger. Et c'est bon. Alors, retour. Encore retour. Dormir. Jusqu'au matin. Comme ça, en plus, ça va me réchauffer les batteries. Donc il faudrait que je chope de l'amande, des trucs comme ça pour faire des recettes. Je pense que ça me fait gagner plus de cœur, des trucs comme ça. Forcément même. Alors. Démonter le campement. Voilà. Ça, pour éviter les feux. J'ai l'impression que ma barbe pousse, mais là cette fois je vais la laisser pousser, les gars. J'ai bien envie de me laisser pousser pour avoir une énorme barbe. Alors, est-ce qu'il est ouvert lui au moins?
Voilà, toutes les jauges... Ouais, il est ouvert, ok. Toutes les jauges sont à fond, donc ça c'est cool. Allez, tu m'attends là, frère. Je te caresse un peu. Parce que je vais bientôt me séparer de toi. Je ne sais pas quand exactement, mais je vais bientôt me séparer de toi. Alors, salut mec. Donc ça me fait un point de vente supplémentaire, c'est cool. Vendre. Allez, je te vends ça. Je te vends ça. 10$, 7$, 4$. Voilà, nickel. Non, ça je... Ah, si mon trangoussé là, je vends. Tout vendre 16$. Ça monte à un 497 bientôt, c'est cool. Alors, donc ça c'est cool. Et qu'est-ce que je peux faire sinon? Fabriquer. C'est-à-dire? Ah, c'est oui, des amulettes. Qu'est-ce que ça fait par exemple? Augmente 10% de l'argent trouvé en fouillant. Ah ouais, ça peut être intéressant par contre. Non mais pour ça il faut plus de trucs. Bon bah d'accord, et qu'est-ce que tu vends? La dynamite, couteau de lancer, machette, haricot à la tomate. arme. Pourquoi je peux pas? Ah j'en ai 8, ok, dynamite. Ah je vais peut-être en reprendre un peu. Voilà, comme ça je suis full. Petit pot en conserve, alcool de contrebande, petit pot en conserve. Ça me rapporte... Haricot à la tomate, ça me rapporte pas mal, je vais en prendre un peu. Hop, 3. Restaure entièrement votre sang. Peut-être utiliser pour crocheter discrètement les verrous, ok. Masque. Il n'y a pas moyen de voir. Capuche en toile de jute, masque de crâne en métal. Masque de psychopathe. Genre, ah ouais, je vais le prendre, comme ça on va le mettre... On va le mettre directement... Yes. On va le mettre quand... Ah, ouais. Faut juste que je trouve comment le mettre. Attendez les gars. Non, non, non. Je cherche juste un petit truc les potes. C'est peut-être pas là. Non, c'est pas là non plus. Mais comment je remets mon masque de psychopathe par contre? Gants de cavalerie. Ah, c'est peut-être genre sur mon cheval, non? Objet. Non, ça va être voilà, ça va être là, non? Ah, voilà, ok. Bon, nickel. C'est quoi ça? Ok, ouais, bah c'est vraiment laid. Voilà, bon, d'accord. Bon, ça c'est fait. Donc, si sur la route de Rhodes, je veux dire Rhodes, je trouve une diligence pas trop loin d'ici, je la volerai et je lui ramènerai pour voir exactement combien ça fait. Mais sinon, on va se rendre à Rhodes et puis on va directement aller piller le receleur, je pense. C'est peut-être le mec qui a le plus de thunes. Juste pour voir combien on peut se faire grâce à ça. J'ai encore mon bandana là. Ouais, je suis pas un banditos. Enlève-le. Ouais. En temps normal, je suis pas un banditos, donc j'ai pas besoin de me cacher. Là, je vais aller les braquer avec mon masque de psychopathe, être mortel, les gars. Pousse-toi, j'arrive. Il est con ou quoi? Il voulait que je rentre dedans. Et il gueule en plus, ce Béro. Bérodan. Il y a de la bouffe. Et peut-être que si on a le temps après, je retournerai au camp voir comment ça se passe. On fait la course? Peut-être deux mules. Ok, je suis recherché ici. Faudrait peut-être que je paye en vrai 45$. Je suis à combien là? Ouais, je pourrais payer. Qu'est-ce qu'il a à vendre comme cheval lui? Je fais une petite pause les potes. C'est lui le commerçant? Non, tu vends pas. Ah non, ça doit être à l'intérieur, ok. Alors, si vous perdez votre selle, quelqu'un la récupérera pour vous lorsque vous retournerez à l'écurie. Oh, c'est sympa ça. Non, mais c'est pas ça que je veux, moi, c'est les chevaux. Acheter un cheval, provision pour cheval. Acheter un cheval. Alors. Ouais, non, ok. Ok. C'est pas ouf. Je vais sûrement pas acheter ça. Jumper, viens là. Jumper. Jumper. Go. Oh, il y a une selle qui tient toute seule debout, c'est magnifique. Commande, Marboy. Ah!
Hein? Eyes open, idiot. What the hell is in your head? Ah, c'est peut-être parce que je lui ai cassé son... Je vais casser son sa barrière. Il est peut-être pas content, tu m'étonnes en même temps. Parce qu'il a économisé toute sa vie pour l'acheter et moi j'arrive et je le pète avec un coup de tête de cheval. Il a peut-être pas kiffé. Attendez les gars, je reviens. Pause. Ouais, relais pote, c'est bon. C'était les pompiers qui venaient me vendre un calendrier, donc bien sûr j'ai acheté. On m'a toujours dit de donner des sous aux pompiers, c'est un métier difficile. J'étais généreux. Bon. Bon bah on croise pas de diligence hein. On va voir. Je vais aller cambrioler déjà à Rhodes. À Rhodes. Je sais pas. Je vais tout le temps dire une chose différente je pense. Je vais aller cambrioler à Rhodes et après je pense que le ranch là ce sera peut-être sur le chemin de, du campement. Qu'on verra. On aura peut-être plus de chance en retour. Ça fight là. Et je me suis dit aussi quand j'ai réfléchi, j'ai parlé avec un pote. Et ce pote m'a dit... Ce pote m'a dit que... Attendez. Ce pote m'a dit que... Que c'était... Bah, enfin voilà, pour se faire de la thune aussi, il fallait... Faire ce qui se passe. Baissez vos armes, sinon je vous bute. You want the devil, then? Fine. Voilà. Alors. Et puis j'ai pas d'honneur en moins. Ah c'est des pillards. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'honneur. En fait c'est ça qui me fait peur, c'est que je sais jamais trop si si je peux les buter ou quoi. Mais donc du coup là ils ont bien mérité vu que c'est des pillards. Toi t'as pris une balle dans l'œil mon pote. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de piller? Eh hey. En vrai, je pourrais les prendre et les revendre, hein. Je peux pas fouiller. Attention, parce qu'il me donne... Ah, bah voilà. Ah. Ils se barrent tous ou il y en a qu'un qui se barre? Il y en a qu'un qui se barre, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai jamais pensé à ça. Mais là, je viens d'y penser, du coup. Qu'il pouvait y avoir... assortiment de biscuits qui pouvaient avoir des trucs dans leur selle. Et c'est vrai, il y a des trucs dans leur selle. C'est des pillards, ils ont bien des thunes, non? Médicaments miracle entamé, brandy de qualité supérieure ou inférieure, j'ai pas lu. Il est beau lui. Eh hey, mais t'as de la chance que je tue pas les bêtes parce que sinon tu serais déjà mort. Non, il me faut un truc qui me redonne de la du heal. Hop, ouais, ça, allez. Et mange en... Voilà. Je suis dans le mal. Ah ouais, mais là, ça m'a juste redonné mon cœur. Il me faut un truc qui me restaure mon énergie. Qu'est-ce que j'ai? Non. Allez, restaure-moi entièrement ma santé. Voilà. Je sais pas s'ils se vendent beaucoup ces chevaux-là. Voilà. Mais voilà. Bon là du coup pour le coup je... Du coup pour le coup putain, c'est bien ça. Pour le coup je me suis pas fait énormément de thunes. Mais j'ai chopé des montres à gousset. Des trucs comme ça qui peuvent se revendre. Donc c'est... C'est quand même pas mal. Donc direction Rhodes. Que va-t-il se passer sur la route? C'est toujours une grande question ça. Ah pour coup. On devrait plus être très loin je pense. J'aime bien avoir ma carte en grande, mais il faudrait pouvoir dézoomer encore plus. Genre une fonction que quand tu accélères comme ça, quand t'es au galop ou même au triple galop, ouais, tu puisses que ça dézoome ta carte en fonction de la vitesse à laquelle tu vas. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais moi je me comprends en tout cas. Peut-être attendre la nuit aussi. Hein. Ah bah non, de nuit ils vont être fermés, je suis con. Ok, donc le receleur en plus est ici. Attends, je suis où là? Je suis à Rhodes ou quoi? Ah ouais, je suis à Rhodes, ok. Hop, calme-toi. Ah ouais, mais non, c'est les gitans, ça. C'est pas eux que je veux cambrioler. Je les appelle les gitans, y'a rien de méchant, les gars. C'est juste qu'ils sont sûrs dans des roulottes à la sortie de la ville. Ah ouais, je suis recherché à Rhodes en plus. Je vais aller voir directement dans le magasin, hein. Tu m'attends là. Attends, c'est quel bat?
c'est quel bâtiment? C'est celui-là, je dois pouvoir rentrer par devant. Je peux pas garer mon cheval quelque part. Tu m'attends là, frère. Doo-doo. Allez, donne-moi tout ce que t'as. C'est bon? Ah non, il a ouvert la caisse. Ok. Alors, combien je me fais par exemple? $20. C'est pas dégueulasse. Ah, vite! Il y a plein de gens partout! On se casse! Bon, $25. C'est médiocre. Allez, on se casse d'ici, les gars. Hop, je vais juste me mettre une petite. Où est-ce qu'on va aller? Donc, on va aller Emerald Ranch. Donc, c'est ici que je peux vendre. Ah, c'est pas trop sur la route. Non, on va retourner au camp. On va finir l'épisode tranquillement, comme ça, au moins. Sur la route, il peut nous arriver des trucs. On va prendre le temps de faire tout ça. Allez, voilà. Donc ça, ce sera mon masque. Quand vous me verrez le mettre, les gars, c'est que ça a mal se passer. Bon, voilà. J'ai perdu un peu d'honneur. Est-ce que je vais regarder après si ma prime, elle a augmenté? Parce que logiquement, à visage couvert, bah, logiquement, ils savent pas que c'est moi, donc... Il devrait pas me casser les routes, mais on sait jamais. Ah, il y a une diligence là-bas. Si c'est une belle diligence, je vais la voler. On va voir combien on se rapporte. Combien ça peut nous rapporter. Est-ce que c'est une belle diligence ça? Ouais, pas trop mal. Tout ça. Il va rester derrière moi lui ou quoi? Dégage. What the hell? Bah t'avais toujours pas remarqué que je suis en train de voler le... Il est con. Il est con. Il va bouger non? Casse-toi non? Il va finir dans une grange sinon je sais pas ce qu'ils vont te faire moi. Mais bon bah tant pis pour toi. Ah il est attaché. Attendez. Allez descendre là. Voilà. Merci. Je suis bien visage couvert là. Oui je suis avec mon masque de psychopathe. Bon une belle diligence comme ça. Combien ça vaut? Faut pas que je loupe le pont. Je vais l'enlever mon masque parce que c'est un peu soupçonneux, tu croises quelqu'un comme ça. Tu croises quelqu'un comme ça sur une charrette, tu te dis bon lui, s'il l'a gagné avec, s'il l'a pas volé c'est plutôt, je me pends. Alors, j'espère que c'est un bon moyen de se faire de la thune les potes, j'espère vraiment. Bon en tout cas au niveau thune on aura bien augmenté là. On aura bien augmenté, on sera passé de 100 et quelques à 500 presque. Donc c'est pas trop mal. On va juste voir combien il me reprend ça, ça m'intéresse. J'espère que c'est pas $1 comme cheval que j'ai capturé hier, putain. Quelle connerie, sérieux. $1. C'est le prix d'une carotte. Putain. Eh, hey, par ici, qu'est-ce qu'il y a? For days now. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. Est-ce que je t'aide? T'es un bagnard en vrai. You serious?
Just shoot the damn chains already. Come on. Just shoot the chains off, please. I'm done for otherwise. J'ai envie de le tuer, les gars. Parce qu'en vrai, c'est un méchant. Hey, whoa, 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 wait a minute now. Just focus on the shackles. That's all, please. Hey, what the hell? Get away from me. Allez, ouais, casse-toi. Si t'étais en prison, c'était bien pour quelque chose. Ça se trouve, t'as tué quelqu'un de ma famille et je le sais même pas encore. Je suis sûrement pas te libérer, toi. Y'a fou. Ah, je me jure. Bon, Emerald Ranch. Et après, go home, les potes, go home. Salut, toi. En vrai, j'ai envie de me faire des thunes. Je tourne en rond autour de Emerald Ranch. Dès qu'il y a une diligence, je la vole. Faut que j'arrête de leur cogner dessus à ces pauvres chevaux, quand même. C'est là-bas, les gars. Oh, Jumper. Je le voyais qu'il me suivait pas, ce con. Vous voyez, après, c'est, ils disent que c'est moi qui leur rentre dedans, mais là, clairement, le mec a tourné pour que je leur rentre dedans, il est con. Oh, une diligence qui sort de Emerald Ranch. Est-ce que c'est quelqu'un qui a acheté une diligence volée? Je vais essayer de revenir avec du gibier, bien sûr, sur le camp, les gars, comme d'hab. On va ramener un petit truc. Discretos. Un beau chien dehors là. Alors, combien tu me le reprends ça? Juste pour voir si c'est un business fiable ou pas. Well, hey, this a lovely little thing. Deal. Don't spend it all at once. Alors, 40 dollars. Eh ben les gars, c'est vachement rentable. C'est merde. Ouais, c'est pas grave. C'est vachement rentable, les gars, 40 dollars. Sérieux? C'est propre. Je vais manger un bout. Allez, mange un peu de haricots là. Allez. Et go home, les potes, go home. Alors, comme ça, ça nous fait nous bouger dans la pampa. Et au moins, on peut peut-être trouver des trucs. Et demain, il nous restera plus que cette émission là. On s'y attaquera dès demain, les potes. Là, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je me suis fait de la maille. J'ai testé différentes façons de se faire des thunes. Du coup, c'est pas mal. Enlève-le. Ouais, merci. Donc voilà. On en est où on voulait. Oh merde, désolé frère. Oh, je perds de l'honneur pour ça. J'ai juste mal fait mon créneau. Allez, range donc ton lasso. Si je peux trouver un petit gibier sur la route. J'ai toujours mes pots de brebis sur le cul. De Bambi. Alors, je sais plus exactement où est-ce qu'on avait vu les bisons là. Ah ok, bon, on va passer devant, nickel. Faut juste que je fasse attention sur ma gauche. J'en vois pas quelques-uns. Si je la ramène un gros gibier comme ça, ils vont être contents, je pense. Vous savez quoi, j'ai coupé à travers la pampa. Ils sont par ici, les bisons. Alors, il en faudrait un égaré. Un peu tout seul. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez quoi, on va fouiller, les potes. Ah, il y a un mec. Ah non, on va peut-être pas fouiller alors. Peut-être pas aller le piller alors qu'il est là. Il y a des chiens, il y a des brebis, pas de bison. Mon objectif, c'est de trouver. Si c'est des bisons, hein. Mais s'ils sont intelligents, je dirais même que c'est peut-être des bisons futés. Hey, hey. T'aimes pas ça, courir comme ça? Allez! C'était quoi? Ah, c'était peut-être un serpent.
petit truc rouge qu'il y avait sur moi. Je m'arrête deux secondes, les gars, histoire de voir si je vois pas des bisous. Je ne vois rien. Toujours rien. C'est où la plaine des bisons là? On y est passé là? Et ouais, on est passé devant, c'était tout ici. Et bah tant pis, on va essayer de trouver autre chose sur la route. Ah, pardon. On va essayer de trouver un autre gibier sur la route. You are right there, boy. Bon, au moins une petite biche, un petit cerf, un truc comme ça. Là-bas, il y a de la fumée. Bon, au pire, on arrive à la maison. Déjà que j'ai été pillé une diligence pour eux. Si ça leur va pas, tant pis pour eux. Sûrement un épisode un peu plus. Si ça se trouve, je vais peut-être avoir un truc à faire sur le camp, je sais pas, jouer avec mes potes. Là, je dois dire bonjour à un mec. Salut! Ok, il y a très peu de munitions. Peut-être donner un peu de thunes, on verra. Allez. Alors, demain on va faire vraiment la mission qu'on... Bah, on va essayer d'aller libérer le mec Javier Escuela. Je peux pas le saluer? J'aurais bien aimé lui dire salut Dutch. Ah bah t'es pas bourré toi. Thank you, Mr. Morgan. Thank you. Don't worry about it, Reverend. I made a fool of myself again. We've all done that, Reverend. Il est passé de thunes dans la caisse. Really? Listen, sorry. You mind if we talk about this later? Oh, all right. Not a problem. The worst of trouble out there. Alors, donner de l'argent. Ah putain, elle est où la part que j'ai donnée moi? Je vais faire mon généreux, je vais donner 150. 100. 100 déjà, c'est pas mal. Hop là, 100. Allez, on donne 100 dollars. Voilà. Ouais, je sais, je suis un mec sympa. Hein. Oh, je peux jouer au poker? Est-ce qu'on serait pas une petite partie de poker? Je suis à combien de tournage? Je fais 47. Non, 37. Ouah, non. Non, 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 les gars. Si on a un petit épisode plus court aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais voir si je peux pas lui donner de la à bouffer, lui. Amélioration d'artisanat. Quartier de John. Table du camp. Je peux rien faire, là. Je peux rien faire avec le truc que j'ai sur moi? Non. Ah! Allez, hein. Ah, yes, that'll be much appreciated. I'm frightened, Hosea. Alors. Real frightened. Yes, we'll see. Donner, qu'est-ce que je peux te donner, toi? Bring me something soon if you can, Arthur. Pinkerton's bounty hunters. It all feels... Voilà, tiens, t'es content là? Ah bah, hey, je viens de donner de la bouffe et les provisions elles baissent, je comprends pas. Alors. C'est bien, non? De rien. De rien, de rien. Il y a à bouffer ou quoi? Ah! Pourquoi il me propose pas de prendre? Allez, prends un bol de ragoût. Ah, John Marston! Ah oui, ok. Alors, il est comment ce ragoût? Ah, mon cœur est à fond jaune. C'est propre ça. Ok, bon, ça va au niveau de l'honneur, je suis quand même pas mal. Est-ce que je peux juste m'asseoir ici en face de lui là? Ooh,
feeling good, Arthur? For sure. There he is. Bon, les potes, sur ce, on va se quitter. Bon, dans cet épisode, on aura appris certains trucs, que les diligences, c'est un bon moyen de se faire des thunes. Le braquage aussi, c'est aussi un bon moyen de se faire des thunes. Dès demain, on attaque une mission super importante de la quête principale, je pense. On va essayer d'aller libérer l'otage qu'on avait laissé à Blackwater avant toute cette aventure qu'on a commencé ensemble. Mais dans l'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous, c'était Tipzo. Allez, ciao les potes.